Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Dans la préfecture de Lola, en Guinée forestière, un jeune couple vient de donner le nom de leur premier enfant à la première dame de Guinée, Lauriane Doumbouya. Alors, Lauriane Gamon sert le nom de la fille aînée de ces jeunes étudiants âgés de 24 ans et de Charlotte Naumont. Le jeune couple a décidé de donner le nom de leur premier enfant à l'épouse du colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, en guise de reconnaissance. Selon le père de l'enfant, lorsqu'il était étudiant à Conakry, il a été persécuté par son oncle qui était son tuteur. À l'encroix, après les coups, il vendait des œuvres pour son oncle, une activité qui lui permettait de gagner un peu d'argent. Selon lui, la femme de son oncle qui était aux affaires en ce moment aurait comploté contre lui. Il a été jeté en prison à la maison centrale où il est resté pendant un an. Il a eu son salut qu'après l'arrivée au pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne. Partagez avec vos amis, famille, reconnaissance si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous bien.